Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi 11e de mai de cette année 2022. D'après la nouvelle appliquée, ça sera présenté dans la vidéo dans le site web de l'opinion.com. Pour le jour d'aujourd'hui, on vous dira que la nouvelle voudrait vous faire savoir la condition courante des organisations de bienfaisance alimentaire dans la nation des États-Unis en général, aussi bien que dans l'État de Vermont des États-Unis, à l'écart des moyens financiers qu'il leur faut afin de répondre à la crise d'alimentation procurée de l'inflation durant l'impact de l'étendue du virus corona maintenant dans la nation des États-Unis en général, aussi bien que dans l'État de Vermont des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on peut entendre parler d'une organisation nationale d'aide alimentaire que l'on appelle Feeding America. C'est le réseau national le plus grand des États-Unis concernant l'aide alimentaire, celui qui se compose de plus de 200 banques d'alimentation dans la nation des États-Unis. Si l'on parle d'un lien entre ce réseau national d'aide alimentaire Feeding America et l'État de Vermont des États-Unis, on peut dire que la banque d'alimentation de l'État de Vermont des États-Unis, que l'on appelle Vermont Food Bank, a fait partie de ce réseau. En parlant de ce réseau, d'ailleurs, d'après la nouvelle, on dit que ce réseau national d'aide alimentaire que l'on appelle Feeding America a fait appel à une source pécuniaire d'environ 900 millions US dollars provenant du gouvernement des États-Unis destinée à l'aspect d'aide alimentaire. À l'échelon local, on peut dire que la banque d'alimentation de l'État de Vermont des États-Unis que l'on appelle Vermont Food Bank et la localisation de bienfaisance alimentaire que l'on appelle Feeding Chittenden, située dans la ville de Burlington de l'État de Vermont des États-Unis. Celle qui a reçu une source d'alimentation fournie par la Banque d'alimentation du Vermont afin de réaliser la mission de fournir l'aide alimentaire à des résidents dans la ville de Burlington de l'État de Vermont des États-Unis. Toutes ces deux organisations se trouvent maintenant en train d'espérer qu'il y aura plus d'aide pécuniaire provenant du gouvernement des États-Unis destinée à l'aspect d'aide alimentaire.